Eh bien salut à toutes et à tous, c'est BLK, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier commentaire sur la chaîne de la Obscure Clan pour cette année 2017, les gars. Oui, bien évidemment. Là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte 2017 et tout ça, on est en novembre et tout ça, mais couilles, on est bientôt en novembre, l'année est bientôt finie. Tout simplement parce que j'ai déjà été dans la Obscure Clan, les gars, mais c'était en 2016, voilà, c'était l'année dernière. En tout cas j'espère que certains se souviennent de moi, Obscure BLK, commentateur, designer. J'espère qu'en tout cas que mon taf va vous plaire, que ce soit au niveau des designs ou au niveau des commentaires. J'espère en tout cas que je vais arriver à vous satisfaire et à déposer un petit sourire, on va dire, sur vos visages. Aujourd'hui les gars, j'ai un sujet et j'ai surtout un espèce de gros gameplay les gars, un gameplay de malade. Ça va être une nucléaire OC4 qui va être réalisée par Obscure Neo. Et ça rigole vraiment pas du tout, c'est-à-dire que là, on est sur une nucléaire OC4, non pas sur Call of Duty Black Ops 2, mais sur Black Ops 3. À savoir que le C4 est vachement plus compliqué à utiliser. Là c'est pas un frisbee que tu peux lancer et le récupérer à l'autre bout de la map, non non, ça rigole vraiment zéro. Et le mec a réussi à taper une nucléaire avec ça. Alors voilà, tout simplement, c'est l'une des nucléaires les plus dures sur Call of Duty Black Ops 3, et c'est peut-être même la plus dure. Je dis bien peut-être parce qu'à savoir que je ne suis pas du tout player, je n'ai aucune connaissance, on va dire, sur Call of Duty Black Ops 3 ou sur les autres Call of Duty. Je suis vraiment un vieux de la vieille, on va dire ça comme ça. Je suis vraiment un ancien de code. Donc du coup, bon, les nouveaux codes, j'ai vraiment pas trop de connaissances dessus. Mais d'après ce que j'ai pu voir, de la manière dont j'ai étudié le gameplay, ça a vraiment pas l'air facile. Surtout qu'il arrive quand même à garder un style de jeu qui reste assez dynamique et ça reste vraiment quelque chose d'agréable à regarder. Donc voilà, en tout cas moi je compte sur vous pour nous dire dans les commentaires ce que vous appréciez ou non comme contenu, etc. Et surtout quelle est la nucléaire la plus dure de Call of Duty Black Ops 3 ou même tout Call of Duty confondu. Nos players vont essayer d'y répondre, de répondre à vos attentes bien évidemment, afin de vous proposer le meilleur contenu possible. Donc ensuite ce que je voulais vous dire c'était vous parler un petit peu de moi, voilà tout simplement. Je vais vous faire ma petite présentation, je vais vous dire qui je suis, ce que j'aime dans la vie, etc. Ce que je fais, même si voilà, je sais pas si ça va vous intéresser. En tout cas moi je trouve ça nécessaire d'en parler tout simplement. Alors voilà, moi c'est Thomas, j'ai 18 ans, je suis étudiant en DUT MMI. Donc voilà, j'étudie dans le montage, etc, l'infographie et tout le bordel. Donc s'il y en a qui connaissent, etc, lâche un petit big up dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et je suis commentateur dans la Obscure Clan. Alors, mon parcours dans la performance, on va pas trop en parler, les gars, parce que j'ai pas fait énormément de team, hormis la rage, la FTW, voilà, c'est... J'ai pas fait énormément de choses après l'Aria, mais bon, voilà. C'est, on va dire, c'est l'histoire ancienne, et ça me fait vraiment énormément plaisir de revenir dans cette team où j'ai énormément de connaissances, etc. Je connais quasiment tout le monde, je m'entends avec tout le monde, Warnix, etc. C'est vraiment le frérot. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier mon commentary et que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était BLK. Ciao, bye, Simer. En tout cas, c'était BLK. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Allez, ciao, bye, Simer. Peace.